Voici le guide complet des défis de la semaine 6 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'obtenir le bouclier balistique dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc c'est à côté de Azir Hillside. Donc à cet emplacement là, vous avez un personnage qui va vous vendre justement le bouclier balistique. Donc il vous le vend pour 250 lingots d'or. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement l'acheter une fois. Et dès que vous l'aurez obtenu une fois dans une partie, vous allez devoir l'acheter dans 3 parties différentes. Dès que vous aurez acheté le bouclier dans 3 parties, ben là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser une tyrolienne, un rail de glisse ou une poignée d'ascension. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tyroliennes. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je vais tout simplement me rendre à côté de Azir Hillside, donc juste ici à cet emplacement là. Et vous allez voir qu'il y a 5 tyroliennes. Donc il y a une tyrolienne là-bas, on a une juste ici derrière le mur, on a une autre là, il y en a encore une qui se trouve tout en haut de la montagne, et il y en a une encore juste en face. Et pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit utiliser 5 tyroliennes, soit 5 rails de glisse, ou soit 5 poignées d'ascension. Dès que ce sera fait, ben là vous terminerez le défi. Le prochain défi va vous demander de manger de la nourriture en étant passager dans un véhicule. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver de la nourriture. Donc là par exemple, dans les cartons de fruits et légumes, vous allez trouver de la nourriture. Après, vous pouvez aussi pêcher pour trouver de la nourriture. Je pense que des poissons, ça fonctionne aussi. Des pommes, des bananes, enfin tout ce qui est consommable, normalement c'est compris comme de la nourriture. Ensuite, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de trouver un véhicule. Ensuite, quand vous aurez trouvé un véhicule, vous rentrez dedans. Et là, vous allez appuyer sur la touche pour changer de place, pour vous mettre en tant que passager. Donc moi, je dois juste appuyer sur la touche R3. Donc de toute façon, il est affiché à gauche de votre écran, la touche adéquate pour changer de place. Donc quand vous avez changé de place et que vous êtes en tant que passager, là, vous consommez votre nourriture. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne en solo, mais si ça ne fonctionne pas en solo, il faudra le faire à 2 joueurs. Mais logiquement, ça devrait fonctionner en solo. Donc dès que vous aurez mangé 3 fruits ou 3 légumes, ou 3 poissons même dans un véhicule en étant passager, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de passer 5 minutes à toucher de l'herbe. Alors pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous allez tout simplement où il y a de l'herbe et vous allez passer 5 minutes à toucher de l'herbe. Dès que vous aurez couru dans l'air pendant 5 minutes, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de ravitailler des véhicules avant d'atteindre les 25 joueurs restants. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un véhicule, ensuite de consommer son carburant pour pouvoir aller à une pompe à essence et le ravitailler en carburant. Donc pour vous aider à trouver des véhicules, des pompes à essence plutôt, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, quand vous êtes à une pompe à essence, vous prenez le pistolet et là vous allez ravitailler votre véhicule et il faudra ravitailler votre véhicule de 75% pour terminer le défi. Et très important, il faudra qu'il reste encore plus de 65 joueurs en vie pour que le défi se réalise. Le prochain défi va vous demander d'éliminer 2 adversaires d'affilée sans recharger une arme. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous équiper d'au moins 3 voire 4 5 armes dans votre inventaire. Ensuite, vous rechargez toutes vos armes et là vous allez tout simplement attaquer des adversaires. Donc là j'en ai mis un KO, je ne l'ai pas éliminé, très important. Vous devez les éliminer. Donc là, ce que je peux faire, c'est complètement recharger. Et là, je vais tout simplement tuer le deuxième. Donc le deuxième qui ne devrait pas être loin. Donc voilà, il est juste là. Donc là, je vais déjà lui mettre des dégâts. Ensuite, je vais éliminer celui qui est par terre. Donc là, ça fait une élimination. Ensuite, je m'occupe de l'autre joueur. 2 éliminations. Et je n'ai pas rechargé mon arme. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant que votre arme tombe à sec, vous switchez d'arme et vous continuez avec votre deuxième arme. Ensuite, votre troisième arme. Et ensuite votre quatrième arme, etc. Tant que vous ne rechargez pas et que vous tuez, vous éliminez 2 adversaires, bah là vous aurez terminé le défi. Code créateur SCF.